c'est un problème hein, quelque part. Allez, le dragon, phase numéro 1. Oh, quadshot. Ok, on est bien. Merde, charge. Oh. Ça prend 3 ans à charger aussi. Non. De toute façon, avec Azazel, c'est simple. Si ça prend du temps à charger, c'est que tu fais du dégât. Tu fais du dégât, mais où suis-je? On ne sait pas. Ah oui, ton trait, il me paraît plus opaque que d'habitude. Ah, plus gros. Ouais, ça c'est le quadshot. Mon trait de laser. Point de vue Azazel, le quadshot c'est un peu comme poulet fémus, tu vois. C'est pas mal. Quadshot. Normalement c'est censé faire 4 tirs, mais ça se voit pas bien sur Brimstone. Ah, oh, c'est pété. Ah, c'est pété. Ah, y'a pas lieu. Ah, y'a pas de respect. C'est un peu moins petit que poulet fémus, mais sans le temps de l'attendre, du coup c'est pété. Y'a le temps hein, aussi. Bon, prends son temps aussi, t'inquiète. Hein. Ah, t'as mis un timer, c'est... Ouais, ah bah je t'ai dit, je me fais chier. Ah oui, bah, ah, bah là, effectivement, tu te fais chier. Il n'y a pas à dire, je te décerne la médaille de faisant chier. Et ainsi que ce certificat de rien à foutre. Ah, c'est là, oui, oui. Le niveau 0. Et quand t'es dans un caillou, les ennemis ils peuvent te toucher? Bah ça dépend si les ennemis en question volent. Ah oui. Alors. Ah bah lui il a même plus le temps de bouger le boss. Tu peux avoir Polyphemus plus Quadshot? Oui. Si t'as de la chance. Je suppose. Oh Ultra Pride. Pareil, il a plus le temps de bouger. Et en plus j'ai un anneau qui réduit les dégâts que je joue. Un nano cube? Un nano. Ah c'est un problème. Nano, Porte-doigt, une alliance, une bague. Ah oui, d'accord. Un anneau. Non, bah oui, il y a réduit les dégâts que je me prends en principe. C'est-à-dire que je suis pas censé me faire one shot par le moindre gob qui passe. Merde, j'ai pas de clé, c'est un problème. C'est quand tu tues un ennemi. Ouais, chaque fois que je tue un ennemi, il y a un truc bleu qui apparaît, comme tu dis. Sauf si c'est un truc bleu qui tue un ennemi. Il y a que cas, il disparaît, sinon ce serait pété. Ouais. Ah bah là c'est pété, il y a pas lire. Si tu cites un boss avec tous ces machins bleus, il est atomisé. Ah bah il s'est fait atomiser. Non mais même juste avec le brim et quadshot déjà, on va dire que c'est pas mal. Y'a du DPS comme on dit hein. On se laisse faire. Oh. Mais en tout cas moi je me fais bien DPS. Je sais même pas pourquoi j'ai mis des points dans ma vie hein, ça ne sert à rien. Je me fais tuer. Putain mais limite je tombe une marche, je me fais tuer quoi. Limite, je prends un coup de soleil, je mon perso et tu vois, il me Allez hop, damage up en plus. J'ai toujours pas de clé, c'est un problème. Mort encore. Putain, ce nombre de fois que je suis. Bon, faut pas être arachnophobe là. Hein. Et on voit plus la terre tellement il y a l'araignée bleue à Oh, Gapispo. Je prends. Si tu arrives au boss avec autant d'araignée bleue, il se fait défoncer. Non, mais je dis juste rien qu'avec mon quadshot. J'entends bien, mais. C'est clair. Mais le boss, il arrête, reviens. Il te voit arriver. Oh my god, je sais pas.
Le boss, tu sais, il croit qu'il est vivant, mais c'est pas le cas en fait. Et limite, ton. Oh, the world. Ton ordi il lag sous la pression des araignées. Non, non. Bien agréable, hein, parce qu'en plus, elle clignote, attention, c'est des pixels. C'est Alors, on n'est pas dans l'ancien BOI qui laguait dès qu'il y avait 3 sprites affichés. Et oui. Banni au physique le premier. Oh my god. Si dans le premier Isaac, si tu faisais spawn trop de pièces, de cœurs ou de clés au sol, bah t'avais des chances que le jeu crache en fait. Oh bah c'est des sprites, hein, faut pas déconner, donc lui il est pas payé pour afficher des machins. Hein. C'est clair. Et là tu vois toutes les araignées, il a aucun mal à les gérer ou quoi que ce soit, donc c'est cool. C'est l'item que quand tu le prends, tu sais pas que ton jeu est mort. Imagine s'il pouvait pas afficher autant de la merde. Ah, tous ces trucs. Ah, là, il y en a beaucoup. Histoire d'administration. On pourrait faire une étude, hein, concernant les araignées bleues. L'évolution de la population des araignées bleues. Ça. Pourtant, il y a plein d'ennemis qui sont derrière des trous, donc elles ne servent pas à grand chose. Mais... C'est ça. Il y en a autant, c'est qu'elles ne servent à rien. Voilà, je passe. Mon laser, 3 araignées bleues, c'est réglé. Il y avait pas un boss ici. Ici, il y avait. C'est ce qui me semblait, hein. Ouais. J'ai bien vu, j'ai l'œil, moi. Putain, le laser qui aime à rien non plus. Non. Oh, mais le boss. C'était un boss. Je crois, ouais. Mais j'ai des doutes, franchement. Je pense que c'est un imposteur, honnêtement. N'importe quoi. Et tu cherches ton attaque avant d'entrer dans la salle, c'est pas ça. Ouais. Mais là, ça va, me prend pas trop de temps encore à charger. Ah, oh. J'aimerais bien de la vie à l'avenir. C'est quoi ça, charger d'attaque? Ah, c'est bizarre, comment. Ils doivent être bizarres les contrôles d'Isaac. Bon, ça va. C'est pas les mêmes boutons pour bouger et pour changer le point de vue. Pour bah pour bouger, pour tirer quoi. Là où tu regardes. Bah c'est pour tirer quoi. Ah oui. Parce que ah, là où tu regardes, bah t'as juste Isaac qui tourne la tête, mais tu t'en fous. C'est comme dans Bleed. Ouais. C'est à peu près le principe. Oui, je me souviens que j'avais complètement pas accepter le système de putain. Ah non, mais le boss. Finalement, je suis là. Bon. Merde. Bon, il lui reste 99% de sa vie. Oh maman. Je n'ai pas perdu. Oh my god. Ça me fera toujours autant marrer, je crois. Non. Non, oui, je suis mort. Ça, les araignées. T'en as pas marre de ramasser tous les items du jeu aussi, hein. Tu mules. Tu vas ouvrir, je crois que tu vas ouvrir une échoppe à un moment. Oh, mom. Mom, t'es. Ah, mais reviens. Attends. J'ai pas le temps de m'abuser, moi. Elle a pas le temps de lever le truc, tes araignées l'ont déjà violencé, ton laser. C'est tes araignées ou ton laser qui l'ont violencé? Les deux. Les araignées là elles respectent pas, hein. Bon, tu peux sortir s'il te plaît. Mais en fait tu rentres dans une salle. Ouais. Puis on fait le grand ménage de printemps quoi. J'aimerais bien pouvoir toucher le boss, ce serait pas mal. Une glotte qui. Ow. Attends, si tu joues à Half-Life en génération speedrun, ah, faut que je rafraîchisse la page peut-être. Oui, effectivement. T'as un train de retard, même deux, j'ai envie de te dire. Ah, bah ça, c'est de la faute de la gare, hein. Toujours en grève. Toujours en retard, hein. Ou en grève, ou les deux. Toujours en grève. C'est pas faux. T'es capable, hein, si tu ne sais pas.
pas un moment où tu t'arrêtes dans le jeu là où t'arrêtes Ah, si, bientôt. Bah, je vais arrêter le timer et leave, mais je continuais bah, après pour débloquer le Polaroid. Merde, j'ai perdu ma carte The World. C'est toujours pas 10 minutes, hein. C'est bien, c'est pas mal. Si, là, je viens de passer 10 minutes. C'est quoi ah, ça oui, bon. Purity, je sais pas ce que ça fait. Du point de vue du contribuable. Hein. Le net d'homme qui paye ses impôts. Hein. Ça existe encore les impôts? Je crois, ouais. Ça devait être avant l'invention d'internet. Ah, c'est le problème. C'est pas ça qui va faire évoluer la courbe du chômage. Hein. Bah, on ne sait pas. Hein. Finalement, si le RSA n'est pas un travail, c'est le bâtard. Oh, c'est clair. Ça, c'est qui va faire évoluer le chômage à la limite. Mais le problème, ce sont des gens qui n'ont pas de travail. Hein. Bon, je cherche le boss. Le boss. Demande à ton araignée fétiche. Tu leur donnes des noms ou t'as abandonné? J'ai abandonné. C'est vrai que c'était tentant hein, de leur donner chacune un nom, mais. Et quand tu vois ça, tu te dis non, c'est bon quoi. Peut-être donner un nom de merde à celui qui a 7 cheveux qu'elle meurt. Voilà. Bon bah 11-24.